Au Texas, je lançais de gros appâts pour prendre du gar. Mais maintenant, je vais vous montrer comment lancer de gros leurres artificiels avec le même type de canne. Le leurre, vous le laissez descendre à peu près un peu plus bas que le premier anneau, à peu près ici. Vous ouvrez le moulinet, le pick-up, le bail, tenez le fil et vous vous mettez dans cette position-là, c'est-à-dire ici, la main gauche ici, si vous le plus loin possible pour avoir un bon levier, et la main droite juste au niveau du moulinet. Donc le leurre, important qu'il soit juste au niveau du premier anneau à partir du moulinet. Et vous chargez comme ça, à peu près le leurre directement derrière moi au niveau de l'épaule, ici, et là ça part comme un missile. Ferme le moulinet et on ramène. Lancez donc le leurre au niveau du premier anneau. J'ouvre le moulinet, je charge et je lance. Mais je me cale la canne sous l'épaule, non, sous l'aisselle en fait. Je me mets ma main droite juste au niveau du moulinet ici. Et suivant l'action du leurre, si c'est un gros popper, vous popez comme ça. Vous pouvez le popper de ce côté-là. Tac, tac, dépendamment de où vous avez lancé le leurre, comment vous voulez le ramener. Finish on. C'était une belle attaque. Vous avez eu ça? C'était super. L'idée quand vous avez un poisson comme ça pris de la plage, ce que vous voulez faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est reculer sur la plage plutôt que de garder les pieds dans l'eau. Vous aurez beaucoup plus de facilité à sortir le poisson. Regardez, allez là. Et voilà, je vais l'échouer sur la plage. Wouhou! Yes! Alors maintenant, je vous laisse partager vos techniques de lancer de gros leurre ou big bait en fait en bon français. Même si c'est pour prendre du brochet ou du masquinongé, n'hésitez pas à les partager.